Je m'appelle Frédéric Prévost, demeure dans le sud-ouest, près du marché Atwater. Je m'appelle William Dupont, j'habite à Outremont, sur la rue Antonin-Maillard. Je m'appelle Justin Dupont, j'habite à Outremont, sur la rue Antonin-Maillard. Venir ici aujourd'hui à la Chine, c'est nouveau. Fait que la première fois que je viens dans ce coin-ci au niveau plus touriste. Je passe souvent en vélo, mais à niveau découvrir la ville, les festivités comme ce soir, le festival de rue, bien, j'en profite pour découvrir ma ville. Moi, ce que j'aime bien, c'est le côté festival Juste pour rire qui est parti d'ici, le festival de jazz qui est des choses qui sont parties avec peu puis qui ont monté la ville en exposition. Plus d'autres phénomènes aussi, comme le Cirque du Soleil qui est écrit ici à Montréal. Fait qu'on voit que c'est une ville qui est très festive, très créative, puis évidemment le Festival de la francophonie directement, qui amène à la ville un nouveau côté qui, après les Jeux olympiques, après les expos de 30-40 ans, bien, ça a donné un autre côté à la ville qu'il a fallu que la ville s'est donnée. Fait que je pense que 2017, ça va faire 375 ans que la ville, bien, c'est un bon moment pour recélébrer ou remémorer aux gens ces débuts de créativité-là. C'est sûr que je vois que oui, il y a un cœur fort peut-être au centre-ville ou ailleurs au centre-ville, mais quand même en satellite si on veut, ou dans les quartiers, qu'il y a aussi de l'action à ce moment-là pour peut-être remémorer chaque coin de quartier aussi, qu'est-ce qui a apporté à la ville de Montréal. Oui, au niveau historique, il y a eu des choses qui ont été marquantes dans chaque coin, mais aussi peut-être au niveau culturel, au niveau créativité qu'on ne voit pas toujours.